Chers camarades, je suis encore présent devant vous, chers camarades. Connectez-vous, chers camarades, peuple d'Afrique. Nous allons parler un peu de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Nous allons essayer de parler un peu que représente en réalité l'AES, chers camarades. Que représente l'AES? Donc, je vous attends. Connectez-vous, chers camarades. Je suis encore là. Voilà. Que représente l'AES? Que représente l'AES, chers camarades? Que représente l'AES? Beaucoup d'Africains n'ont pas encore compris pourquoi nous, les Africains, nous sommes dans l'AES. Et c'est un peu malheureux. C'est malheureux parce que d'autres savent que l'AES est une bonne chose pour les Africains. En réalité, que se cache derrière cette alliance en réalité? Et pourquoi des gens qui ne vivent même pas dans l'alliance soutiennent l'alliance? Pourquoi les Africains de la diaspora se sont déplacés pour aller voir le capitaine Ibrahim Traoré, par exemple? Qu'est-ce qui est derrière l'alliance des États du Sahel? Chers camarades, peuple d'Afrique, aujourd'hui, j'aimerais donc qu'on en discute. Parce que moi, par exemple, mais je ne suis pas un Burkinabé d'origine. Je dis bien d'origine. Si on veut parler de manière rudimentaire, traditionnelle. Mais pourquoi je suis en train de soutenir, supporter le Burkina Faso avec mes deux mains, mes deux pieds, mon être entier? Chers camarades, c'est la souveraineté de l'Afrique. Simplement, l'AES, là, pour ceux qui ne comprennent pas ce que l'AES représente actuellement, l'AES représente la liberté totale des Africains. Ça peut changer de nom, hein? Ça peut changer de nom. C'est pourquoi nous autres, on a déjà initié la nouvelle révolution panafricaine. Merci beaucoup, le frère, la vie est belle. Voilà, merci pour les likes sur TikTok. La vie est belle. On me dit que vous likez beaucoup le direct. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui mettent les likes sur TikTok. Même si vous n'êtes pas nombreux. L'AES, là, représente, chers camarades, le salut des Africains. Un peuple qui n'est pas libre est un peuple qui est aliéné. Un peuple qui n'est pas libre en 2024, c'est même une malédiction. Chers camarades, c'est une malédiction. Et nous devons tout faire pour être indépendants, mais vraiment indépendants, chers camarades. Nous devons tout faire pour être indépendants. Je vous dis la vérité. Nous devons tout faire pour être indépendants, chers camarades. Et l'indépendance des Africains ne viendra de nulle part si ce n'est de l'AES. Tant qu'on n'a pas compris ça, chers camarades, ces trois pays seulement seront indépendants et nous, on va toujours rester. On va toujours baigner avec les Bassirou et autres là. Les Draman Ouattara et autres là. Parce que c'est comme ça que je vais le catégoriser. Jusqu'à preuve du contraire. On va toujours rester là, dans cette appellation maudite là, qui nous a... Si vous savez, combien de morts, le mot démocratie a créé en Afrique là. Vous n'allez plus prononcer ce mot là. Oui, oui. L'Afrique même n'a même pas besoin de démocratie. On a besoin d'autre chose. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Mais pour l'instant, on n'a même pas besoin de la démocratie là. Parce qu'il y a trop de mensonges dans cette affaire de démocratie. Il y a trop de magouilles dans cette affaire de démocratie.
Vous comprenez? Parce que pour eux, la démocratie, c'est par exemple lorsque, comment on appelle ça, l'opinion internationale reconnaît un président. Mais est-ce que l'opinion internationale est obligée d'être d'accord avec un leader pour qu'un leader soit un leader? Vous avez vu, quelques jours plus tôt, comment on va dire ça? Je vais parler de la Russie. Il y a quelques jours, si vous voulez, il y a quelques jours que Poutine a été investi. Ce qui est important dans un pays, quand il s'agit des élections présidentielles, c'est le président du Conseil constitutionnel. S'il y a le Sénat, c'est le président ou la présidente du Sénat. Et puis, les représentants des grandes institutions comme l'Assemblée nationale et autres. C'est eux qui ont le dernier mot. Ce n'est pas la communauté dite internationale. Ce n'est pas la communauté dite internationale. Parce que la démocratie qu'ils sont en train de nous vendre, ils sont en train de nous faire croire que tant qu'eux, ils ne sont pas d'accord avec, la personne qui doit diriger nos États, alors la personne n'est pas une bonne personne. Mais pourquoi? Est-ce que vous êtes obligé d'aimer Ibrahim Traoré? Est-ce que Macron est obligé d'aimer Ibrahim Traoré pour que les Burkinabés puissent l'aimer, de vous à moi? Il faut qu'on se parle, on se dise la vérité. On doit se parler franchement. Est-ce que Emmanuel Macron est obligé d'aimer Ibrahim Traoré pour que Ibrahim Traoré dirige les Burkinabés? En d'autres termes, est-ce que Ibrahim Traoré, lorsqu'il est président des Burkinabés, là, est-ce qu'il est président de Macron? En d'autres termes encore, en quoi est-ce que ça regarde la France si les Burkinabés veulent Ibrahim Traoré comme président? Où est le problème de la communauté dite internationale? C'est ça qu'ils appellent démocratie. Et c'est pourquoi nous avons dit désormais, dorénavant, nous, en tout cas moi, je ne crois plus en cette démocratie-là. Et c'est ce que les gens utilisent au Sénégal pour faire pour endormir le peuple sénégalais. Merci pour les fleurs. Pour endormir le peuple sénégalais. Non, le Sénégal a toujours été un pays démocrate. Mais quel est ce président démocrate qui se va traiter, qui se va appeler un dictateur démocrate? Ça a choqué beaucoup de personnes. En tout cas, Bachirou a fait, comment on appelle ça? Lorsqu'il a fait, même il paraît même que votre Franklin Yamsi là, il est allé dans mon sens. Il n'est pas allé dans le sens de lui qui est à Paris là-bas là. Le jeune qui est à Paris là-bas là, le gars là. Il n'est pas allé dans son... Cette fois-ci là, les deux sont divisés. En tout cas, les deux sont amis de Guillaume Soro. L'autre dit qu'il est pro-Gbagbo, mais il est toujours elle est soroïste. L'autre dit qu'il est professeur, mais il soutient Soro. Mais quand il s'agit de Bachirou, les deux ont pris les routes. Et c'est moi, je suis toujours au centre. Donc c'est moi qui ai toujours raison. Quand Bachirou a fait son discours, j'étais le seul qui a critiqué. J'ai critiqué le discours. Je n'étais pas d'accord. Les autres ont dit non, il n'a rien dit de mauvais. Ouais. Voilà. Voilà. Il est allé voir Dramane Ouattara. C'est gâté. Affaire est gâtée, chers camarades. On fait comment? Tu ne peux pas aller voir Dramane Ouattara et puis être un saint. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas marcher dans la boue et puis être propre. Forcer la boue va te salir. Chers camarades, tous les présidents africains ne sont pas obligés d'aller voir Dramane Ouattara. Il y a des gens qui sont présidents qui ne sont jamais allés en Côte d'Ivoire pour saluer Dramane Ouattara. Par exemple, les pays de l'AES. Mais est-ce qu'ils ne sont pas présidents? Est-ce que c'est Dramane Ouattara qui valide un président? C'est cette manière de faire là que nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus l'ancien schéma là. Où forcément il faut être validé par X ou par Y. Parce que regardez les Bachirou, les démocrates. Ils disent que Macron les a validés. Dramane les a validés. La CEDEAO les a validés. L'ONU les a validés. Les États-Unis les ont validés. Tout le monde les a validés. Donc ils sont démocrates. Mais c'est quoi ça? Criez pas le complet, vous dites. Mais c'est quoi ça? Donc tout ça pour ça. Vous voyez? Donc dès que eux ils ne te valident pas, est-ce que le fait que la France ait validé Bachirou, est-ce que ça veut dire forcément que les Sénégalais ont voté Bachirou? Donc si demain les Sénégalais veulent voter quelqu'un d'autre et que la France n'a pas validé, donc la personne n'est pas démocrate. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais il faut que ça change. Il faut que ça change. Parce que ce qu'ils sont en train de nous faire croire là, c'est qu'il faut que la communauté dite internationale, il faut que tous les présidents aux alentours qui sont pro-France, pro
nègre de maison, valide d'abord le leader pour que le leader soit démocrate. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Et comme Babo Laura était gênant, ils ne l'ont pas validé. Mais le peuple a voté. Tout le monde sait que Babo a gagné les élections. Mais ils ne l'ont pas validé. Et au finish, ils ont imposé, ils ont imposé leur démocratie. La démocratie qui bombarde les palais présidentiels. C'est-à-dire une armée d'un autre pays quitte là-bas pour venir bombarder le palais présidentiel d'un autre pays. C'est ça la démocratie là? Si c'est comme ça, nous au NRP, on n'est plus démocrate. Vous allez faire même, on ne va même plus passer, d'ailleurs même dans l'AES, les élections n'existent plus. On ne fait même plus politique. Parce que, mon frère, si tu es malade et que tu as essayé un comprimé et que ça a aggravé la situation, ça aggrave le mal, il faut changer de médicament. Il faut changer de médicament. Oui, oui. Si très souvent, tu portes le même vêtement, à chaque fois que tu portes le vêtement, tu fais accident. À chaque fois que tu portes le vêtement, tu as mauvais malheur. À chaque fois que tu portes le... Attends, c'est le vêtement que tu aimais. Arrivé à un certain moment, il faut te débarrasser de ça. Peut-être que le vêtement là n'est pas chanceux. Peut-être que tu as acheté le vêtement dans Yougou Yougou. L'ancien propriétaire était maudit. Parce qu'en Afrique, tous nos vêtements que nous portons, mais c'est les Yougou Yougou. C'est les vêtements déjà portés, c'est les France au revoir. Donc, arrivé à un certain moment, il faut changer l'équipe qui perd. On ne change jamais l'équipe qui gagne. Un homme comme Ibrahim Traoré, comment les Burkina vont le changer? Même s'il n'est pas passé par la démocratie là. Mais comment, vous-même là, quel Burkinabé qui aura la force pour aller dire à Ibrahim Traoré, il faut quitter le pouvoir? Mais toi-même, tu auras honte. Un monsieur qui est rapide, il est rapide même sur son... C'est-à-dire, lui, il dit, en 2025, on va envoyer les Caterpillars pour faire les routes. Caterpillars, ça y est déjà au Burkina. C'est parce que la totalité n'est pas encore rentrée, il n'est pas encore montré. Sinon, ça y est déjà là. J'ai partagé une vidéo où on voit les Caterpillars qui rentrent. Un jour en arrière, il a fait venir plus de 700 katakata. Parce qu'il y a la saison pluvieuse, il faut que les Burkinabés profitent pour cultiver. Quelqu'un qui est venu en 2022... On est en 2024. Ce qu'il a réalisé, Blaise et puis son compas Auré. Tous ces mandats qu'il a fait là, après avoir tué notre Thomas Sankara, 37 ans en arrière, il n'a pas pu réaliser ça. Alors nous, on décide de prendre les leaders qui nous arrangent. Nous ne sommes plus dans leur panafricanisme. Et pardon, dans leur démocratie, chers camarades. Nous ne sommes plus dans leur démocratie, chers camarades. Nous ne sommes plus dans la démocratie. Donc, pour la souveraineté de nos États, peuple africain, on a besoin d'essayer une autre technique. C'est cette technique-là que renferme l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Si d'autres pays adhèrent, par exemple, par la grâce de Dieu, si demain, Draman tombe et que le nouveau leader rentre dans l'AES, et que le Togo rentre, le Bénin rentre, le Sénégal rentre, ce qui est possible, mais ce qui sera difficile, parce que Toubabou ne va pas se laisser faire. Si ça ne nous arrangeait pas là, Toubabou allait se laisser, il n'allait même pas combattre ça. Toubabou, si l'AES n'était rien, et que l'AES était simplement une distraction, et que l'AES était seulement une mauvaise chose pour l'Africain là, Toubabou n'allait même pas combattre cela. Pourquoi ils sont en train de combattre ça? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi Toubabou combat l'AES? Vous ne vous posez pas la question? Pourquoi Toubabou combat l'AES? Pourquoi leurs chaînes là sont en train de diaboliser les actions de l'AES? C'est parce que ça nous arrange. Ah oui, la France n'a pas d'amis. Hein? Elle n'a que des intérêts. Donc si son intérêt est menacé, elle va sortir des griffes. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Contre les présidents de l'AES, chers camarades. Chers camarades, pause aux publicitaires. Voilà, même si vous ne partagez pas mes vidéos ces temps-ci, vous ne likez pas mes vidéos, vous ne me soutenez pas, je ne sais pas pourquoi. Même YouTube, jusqu'à présent, il n'y a même pas, on me dit 16 likes. 16. 16 personnes ont liké sur YouTube. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et puis vous me boudez. Facebook, c'est pareil. Vous ne partagez pas, vous ne likez pas, je ne sais pas vraiment ce que je vous ai fait. Vous ne me soutenez pas, vous ne me partagez pas. Non seulement nos pages sont restreintes, toutes les vues ont baissé.
les quelques vues qui viennent là, vous ne partagez pas mes vidéos. Vous voyez, vous allez m'obliger à faire des pré-enregistrés. Toujours, je le dis. Mais un jour, je vais commencer. Et quand je commence, c'est fini. Vous ne me verrez plus en direct. Pas pré-enregistré, c'est trop. C'est 10-15 minutes, tu as fini. Et puis, tu es devant. Vous voyez? Donc, vous ne me partagez pas. Ça, c'est la première pause publicitaire. La deuxième pause publicitaire, c'est que vous avez un background derrière moi. Alors, YouTube, Facebook, vous avez déjà le lien de la boutique. Vous avez déjà le lien de la boutique. J'ai mis un seul élément. Vous allez voir comment ça marche. Vous cliquez dessus, vous essayez de mettre dans votre... Vous allez voir. C'est même, ça marche même chose comme Amazon. Tu achètes, pom, 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 pom. Et puis, ça vient. Comment on appelle ça? Dès que tu as acheté, je regarde dans ma boutique, je vois ce que tu as commandé. Je prends, j'emballe, je m'en vais à la poste et puis on t'envoie ça. Donc, aux États-Unis ici, pour ceux qui sont ici, c'est free shipping. Parce que shipping, là, il paraît, c'est, on dit 10 quelque chose de dollars. Donc, c'est moi-même qui ai payé. Donc, c'est free shipping. Donc, tu achètes le prix que tu vas voir là-bas, là. C'est tout ce que tu vas dépenser. Mais là, c'est ceux qui sont ailleurs, là. Le site lui-même va vous donner automatiquement, OK, selon les distances, le site vous donnera automatiquement le shipping. Mais pour les États-Unis, on m'avait demandé de mettre 10, mais j'ai enlevé. Voilà. Donc, c'est free shipping pour ceux qui sont ici. Donc, j'ai mis ça, là. Tout le monde doit avoir ce truc-là. C'est très important. Voilà. Pause publicitaire. Voilà. 10, 15, 5 minutes et puis c'est fini. Voilà. Pause publicitaire. C'est ça là qui est posté. Et qui connaît ça là? Est-ce que vous connaissez ce truc-là? C'est très important, surtout pour ceux qui ont des véhicules. Voilà. Parce que les mécaniciens peuvent te voler. Lui, là, il te dit tout ce qui se passe dans ton véhicule. Voilà. Lui, il te dit tout ce qui se passe dans ton véhicule. Donc, j'ai tellement de choses, même dans mon carton, il y a plein. Voilà, je vends plein de choses, plein de choses en ligne ici. Donc, je vais mettre au fur et à mesure sur la boutique, comme ça, au fur et à mesure, j'ai parlé de cette boutique-là. Voilà, j'ai même aussi ce truc-là. Voilà, ce truc-là qui est très bon. Très, très, très bon aussi. Voilà, tout ça, vous allez voir ça sur le site internet. C'est très, très bon. Voilà. Donc, il me reste deux. J'ai aussi ça là, il me reste quatre. J'avais payé 30, j'avais acheté 30, il me reste 4. Ce truc-là, c'est très, très, très bon. Voilà, très, 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 très bon. Mais c'est sur le site que vous... Si vous parlez des détails, ça va prendre trop de temps. Donc, vous allez sur le site pour voir cela. Voilà. Donc, chers camarades, la boutique, elle est lancée. J'ai ma boutique en ligne. Pour toutes les personnes qui veulent commander, vous partez sur le site. Vous allez voir, mais c'est même chose comme Amazon. Voilà, eux-mêmes, ils te guident, tu mets tes trucs, Poum, voilà. Donc, c'est un site qui est très, très populaire. C'est un site de vente en ligne. Donc, je vends en ligne. J'ai mis un seul pour le moment. Un seul objet. Après, maintenant, je vais mettre tout ce que je vends là. Et pour tous ceux qui sont aux États-Unis, c'est free shipping. OK? Vous ne payez pas le déplacement. Voilà, free shipping aux États-Unis. Maintenant, c'est ailleurs que le site lui-même va vous donner, va vous taxer combien vous devez payer, si vous voulez. Donc, c'est une manière aussi de m'aider. Voilà, et c'est une manière de savoir qu'est-ce que moi je propose, ce que tu dois avoir sur toi tant qu'un homme, ce que tu dois avoir sur toi. C'est des choses qui ne doivent pas manquer. C'est très, très, très important, chers camarades. Voilà, j'ai beaucoup de choses, mais je ne peux pas tout vous montrer. Voilà, sinon j'ai plein de choses ici. Mon carton qui est ici, là, il est lourd, il ne sait pas comment soulever. Vous voyez? Oh, il est lourd, mon frère. Attendez, qu'est-ce qui bloque ça, là? Ah, quelque chose bloque ça. Ah, ok. Voilà, vous voyez, il y a plein de choses dedans. Plein de choses dedans, vous voyez. Voilà, plein. Et ça là, j'avais acheté 130. Je sais pas s'il me reste maintenant combien. Voilà, ça là. Ok, je vends ça en ligne aussi. Je sais pas si vous connaissez ce truc là. Quand la clé de ta voiture est condamnée, c'est celle-là que tu prends pour forcer la portière à s'ouvrir un peu et tu prends quelque chose pour enlever la clé. Ça là, tout le monde doit avoir ça. Vous voyez? Voilà. Donc en réalité, la plupart des choses que je vends, c'est pour les gens qui ont des véhicules. C'est pour les gens qui ont des véhicules, hein, la plupart des choses que je vends. Voilà. Mais quand vous allez aller sur le site, vous allez voir un peu mes trucs que je vends. Voilà. Alors, la pause publicitaire est terminée. Donc vous voyez, chers camarades, donc les gens combattent l'AES. Je lis un peu les quelques commentaires.
Moi, j'ai déjà partagé. Merci beaucoup d'avoir partagé, mon frère. Mettez les likes maintenant. Mettez les pouces bleus. Facebook, YouTube, mettez les pouces bleus. Voilà, mettez des pouces bleus. Mettez les pouces bleus. Tu n'es qu'au début, c'est normal. Voilà, donc je vais mettre le truc là. Je n'ai pas commis ça sur YouTube. Dans YouTube, vous ne pouvez pas voir. Mais Facebook, vous pouvez même voir ça actuellement. Voilà, regardez dans le message épinglé là. Le truc là-bas, vous cliquez, vous allez voir comment ça sort. Ça sort de manière très, très, très propre. J'ai même essayé même de commander par moi-même. Et j'ai vu que, ouais, ils sont très bons. Voilà, voilà ça. La boutique s'appelle Le Patriote. Voilà le site. Tu vois? Et le truc rouge qui est là, là. Le truc rouge, là. Ça, là. C'est ça que j'ai mis. C'est ça qui est là. Donc, quand vous allez partir, vous allez voir tous les détails. Voilà. Tous les détails. OK? Voilà. Donc, vous voyez ici. OK? Donc, Ploma, c'est un seul produit qui est là. Après, je vais mettre en ligne. Voilà. Donc, c'est un site certifié. C'est un site américain. C'est très connu. Même si tu fais des recherches, tu vas voir les gens parlent de ça. C'est la même chose comme Amazon, quoi. Mais c'est des particuliers qui vendent leurs choses. Il y a d'autres même qui créent leurs propres choses et qui vendent. Il y a d'autres qui achètent, qui revendent. Ça dépend. Voilà. Donc, c'est comme une boutique. Donc, quand tu fais Shop Now, tu cliques sur Shop Now. Voilà. Voilà, ça, le truc vient. OK. Tu peux lire les descriptions que j'ai mis. Et puis, tu mets Add. Donc, ajouter à ta charrette, mais c'est pas comment ça sort là-bas. Et voilà, on te montre le prix, tout, la quantité, combien tu veux. Quand tu finis, tu fais check-out. Voilà, et puis vous voyez comment ça sort. Voilà, on te demande maintenant de mettre, c'est pas si vous pouvez voir. Hein. Voilà, donc on te demande de mettre le pays où tu es. Donc, automatiquement, c'est États-Unis qui est là. Mais si tu es dans un autre pays, tu mets le pays, tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse. Si c'est un appartement, le numéro d'appartement, pour qu'on puisse délivrer. C'est les gens qui vont t'envoyer, c'est la poste qui va t'envoyer ça. Voilà, la cité, province, code postal, tout. C'est ça, je vais regarder pour aller te shipping ça. Donc là, il ne faut pas te tromper. Il faut mettre tes trucs propres. Voilà, et je regarde ça. Et puis je mets, je m'en vais, j'ai mon imprimante. Donc j'imprime le libellé, j'imprime le truc là, je colle. Je m'en vais à la poste, j'embellis et puis on t'expédie ça. C'est comme si tu achetais sur Amazon, mais tu achètes avec moi. C'est la même chose. Voilà. Donc, si le produit, par exemple, si le produit original coûte, par exemple, 10 dollars, moi, je pourrais mettre, par exemple, 2 ou 3 dollars. Tu vois? Maintenant, si tu es dans un autre pays, ça sera peut-être 7 dollars parce que shipping. Tu vois un peu, non? Voilà. Et ça, je m'avais acheté en personne et puis je vends. Donc, c'est un peu ça. Voilà, bref. Donc, voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Congrats for your 100K subscribers on YouTube. Oui, nous avons atteint les 100 000 abonnés sur YouTube, chers camarades. Voilà, le combat avance. Tout ça, c'est la pause publicitaire. Bon, on avait commencé à 18. Nous sommes à 22 minutes. Je pense que 4 minutes pour la pause publicitaire, c'est bon. On va poursuivre. Voilà, on va poursuivre. Mais merci à tous ceux qui se sont abonnés sur YouTube. Abonnez-vous davantage. Nous sommes à 100 000 abonnés sur YouTube. Herman le Patriote, voilà. Donc, chers camarades, c'est ça. Aujourd'hui, je ne vais même pas vous montrer quelque chose, je ne vais pas lire quelque chose, je vais simplement dire aux Africains que Toubabou ne veut pas qu'on évolue. Toubabou ne veut pas qu'on avance dans cette affaire de l'AES-là parce que Toubabou sait que ça nous arrange et que ça ne l'arrange pas. Voilà, Toubabou le sait. Toubabou sait que ça ne l'arrange pas. Attendez, je vais mettre mon truc. Voilà. Même ce qui est ici, là, c'est très bon. Mais au fur et à mesure, voilà, vous allez voir ça sur le trou. Voilà, donc Toubabou, les gens ne veulent pas qu'on évolue. Ils ne veulent pas qu'on soit libre. Mais on a besoin d'être libre, chers camarades. On a besoin d'être libre. Et la liberté des Africains ne viendra pas. Tant qu'on n'a pas commencé là, on ne va jamais s'en sortir. Cela ne va jamais nous laisser tranquille. Je vous dis la vérité. Ils ne vont jamais nous laisser tranquilles. YouTube, s'il vous plaît, likez le direct, pardonnez. Hein? Mettez des pouces en l'air, s'il vous plaît. Mettez des pouces en l'air, s'il vous plaît. Vous n'êtes même pas nombreux, on dit 213 personnes en ligne. Mais mettez des pouces en l'air, s'il vous plaît. Il y a 30 likes, c'est pas bon. Hein? Ceux qui ne savent pas comment on like, si vous êtes sur truc, regardez en haut là, il y a 3 petits boutons quelque part. Cliquez là-bas et likez, s'il vous plaît. Augmentez les likes. Et Facebook, partagez aussi. Partagez, chers camarades. Attendez, il y a voir Facebook, il y a combien de partages. J'avais abandonné Facebook. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Mais attendez, je vais voir quand même. Est-ce que quand même quelques personnes ont partagé le direct? C'est ça que je vais vérifier. Tout à l'heure, je vais lancer un autre direct sur le Burkina.
Mais j'aimerais quand même parler un peu de l'AES en général. Ok, 92 partages, c'est pas mauvais. Donc partagez Facebook, s'il vous plaît. Partagez-moi ce direct-là. Je sais pas pourquoi il n'y a pas assez de personnes en ligne. Je sais pas pourquoi la page est restreinte. Même si, même avant, la page était restreinte. Et puis quand même, on faisait les vues. Mais maintenant, là, ah, il est trop tôt, il est 10 heures. Ah, d'accord, ok. Donc, chers camarades, voici un peu ce que je tenais à dire. Les gens ne veulent pas qu'on évolue. Ils vont pas, ils veulent pas laisser les gens. Ils veulent pas laisser les Africains. Parce que la seule chose qui peut nous aider là, qui peut nous sortir de ce pétrin-là, c'est ce que les Burkinabés sont en train de faire. Les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens. C'est-à-dire chasser l'armée française, chercher notre autonomie politique, notre indépendance politique et notre indépendance militaire. Ils le savent. Si on a les trois là, c'est fini. On est comme les autres pays qui se respectent. Vous voyez? Mais tant qu'on n'a pas les trois là, on ne peut pas démarrer. On ne peut pas démarrer. Parce qu'ils vont toujours utiliser leur base militaire pour mettre la pression sur nos leaders. Voici le problème. Ils vont toujours utiliser leur base militaire pour mettre la pression sur nos leaders. C'est tellement simple. Ils vont toujours utiliser leur démocratie pour nous empêcher de choisir nos leaders qui veulent se battre pour nous. Et ils vont nous imposer des leaders comme Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, comme le Faure Gnassingbé, etc., etc. Comme les Camerounais, là. Tant que tu fais leur affaire, il faut faire troisième mandat, quatrième mandat, eux, ils se taisent, ils ferment leur bouche, ils ne parlent pas. Voilà. Eux, ils ne sont pas là pour la vraie démocratie, pour les Africains. Ils sont là pour leurs intérêts. Sinon, eux, ils parlent de démocratie. Est-ce que Dramane Ouattara, il est démocrate? Est-ce que faire un troisième mandat dans un pays où la Constitution dit un être humain doit faire deux mandats? Il n'y a pas à faire de mettre les compteurs à zéro. Ça, c'est Dramane qui a envoyé ça. Depuis la Côte d'Ivoire existe, ça n'existe nulle part. Mettre les compteurs. Mais si c'est comme ça, c'est que Gbagbo Olori était toujours président, bien, Bédi était encore président. Bien, les gens allaient se maintenir au pouvoir. C'est pourquoi on dit un individu, c'est deux mandats non renouvelables. Eux, ils ne comprennent pas français. Hein. Et les Blancs là savent très bien ce que ça veut dire. C'est pourquoi quand Dramane a dit, je suis fatigué, je vais donner à la deuxième génération, on a vu Macronie qui a félicité Dramane Ouattara. Ah, bravo! Dramane Ouattara, bravo! Mais quand Dramane Ouattara a dit qu'il va faire troisième mandat, encore il s'est levé pour dire bravo. Vous voyez? Parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas la constitution ou bien la démocratie. Ce qui l'intéresse, ce sont ses intérêts. Donc Dramane dit bleu, bonnet, bleu, bleu, bonnet. Lui, il est toujours un Dramane Ouattara. Sinon, normalement, un homme qui se respecte. Tu as félicité quelqu'un parce qu'il ne veut pas faire un troisième mandat. Et puis encore, tu le félicites parce qu'il dit non que s'il quitte le pouvoir, il aura la guerre en Côte d'Ivoire. Donc, je ne vais pas quitter le pouvoir. Est-ce que ça justifie le fait de faire troisième mandat? Mais si c'est comme ça, il sera toujours au pouvoir. Parce qu'il va dire le jour, je m'en vais, ceux-là, ils vont faire la guerre. Donc, pour que la paix soit dans le pays, il faut que je me maintienne. Et voici le langage que les gens prônent. Hein? Et puis, ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils changent un petit article. Parce que la constitution qui est là, si un seul article est changé, alors la constitution est changée. C'est comme s'ils ont changé la constitution. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils changent une petite partie et puis on dit c'est une nouvelle constitution. Et dès qu'on dit c'est une nouvelle constitution, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est une nouvelle république. Par conséquent, Dramane Ouattara, le même gars qui a déjà fait deux mandats, hein, Dramane Ouattara fait le premier mandat de la troisième république. Mais si c'est comme ça, c'est que les gens vont mourir au pouvoir. Parce que quand 2027 va approcher, il va changer encore un petit truc. Et puis ils vont dire, non, non, même il n'a même pas besoin de changer de constitution actuellement. Il peut garder l'ancienne constitution de 2016. Parce qu'il a changé ça en 2016 parce que 2020 approchait. Comment se maintenir? Et il est là. Donc, comme dans une république, c'est deux mandats par deux mandats, il a changé ça en 2016. Il a brigué le troisième mandat en brie en 2020. Donc, en 2025, ils vont dire deuxième, comment on appelle ça, deuxième mandat dans la troisième république. Ça fait quatre mandats. C'est même chose comme Faure. Faure Gnassingbé, il entend de faire cinquième mandat. Hein? Faure Gnassingbé, il entend de faire cinquième mandat. Donc voici les gens qui sont en train de durer au pouvoir, dans l'amusement. Ce n'est pas seulement Biya. Vous avez vu, j'ai vu une photo où ils ont fait le collage Dramane Ouattara avec Abdoulaye Wade. Dramane était président. En 2012, il a fait rébellion à ces gars. Après, ils ont fait collage. Dramane Ouattara et puis, comment on appelle ça, Macky Sall.
Et ils ont fait récemment un collage encore. Et puis ils ont collé les trois vidéos en une seule, les trois photos en une seule photo. Dramane Ouattara et puis Faye. Donc lui seul, il a touché, comme il est président, il a touché plus de trois présidents dans un autre pays. Parce que là-bas, les gens, quand les deux mandats finissent, les gens s'en vont. Lui, ses mandats finissent, il est peint. Et il va prendre goût de ça. Vous voyez? En 2030, il sera là jusqu'en... S'il prend 30 là, c'est en 35. En 35, peut-être Faye n'est plus président. Soit, comme il s'appelle, Sonko. Sonko va vouloir prendre son fauteuil. Quand il a arrêté, c'est son fauteuil. Il va vouloir prendre son fauteuil. Ou bien, on ne sait jamais, quelqu'un d'autre va venir les enlever. Ou bien, peut-être que le NRP va frapper là-bas. On ne sait jamais. Ah oui, peut-être que le NRP va framponner là-bas. Un militaire va se lever pour mélanger là-bas. Et puis, ils ne sont plus au pouvoir. Vous voyez? Voilà le problème. Donc, ils sont en train de s'éterniser au pouvoir au nom de leur soi-disant démocratie. En réalité, eux, ils ne défendent pas la démocratie. Ils défendent leurs intérêts. Les Toubabous, ils ne défendent pas la démocratie. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de démocratie au Gabon. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Il n'y a pas un coup d'État bon et un coup d'État mauvais. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Mais on a vu les Dramane Ouattara et les Macron qui condamnent nos éléments de l'AES et puis qui reçoivent les éléments du Gabon. Vous voyez? Comme si Clotaire, il a été élu aussi démocratiquement, comme ils le disent. Donc, l'Africain doit comprendre que les gens se foutent de nous. Et on a compris. En tout cas, moi, j'ai compris. C'est pourquoi, même si c'est risqué, mais je prends ce risque-là pour soutenir ouvertement, pour soutenir l'AES ouvertement. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que j'aimerais que tu comprennes. Il faut le comprendre, mon frère. Il faut le comprendre. On n'a pas le choix. Si ça a marché au Burkina, ça peut marcher en Côte d'Ivoire. Ça peut marcher au Bénin, ça peut marcher au Togo, ça peut marcher au Sénégal, jusqu'à ce que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest soient réellement libres. Parce que jusqu'à présent, on est encore dans cette affaire de colonisation, sans qu'on ne le sache. Oui, on est encore dans cette affaire de colonisation. Parce que c'est la colonisation. Quand tu consommes le franc des colonies d'Afrique, c'est que tu es quoi? Tu es une colonie? Ou bien, puisque le franc CFA, c'est franc des colonies d'Afrique française ou même un truc comme ça. C'est ça, non? Franc. F-C-F. Donc, je pense que c'est franc des colonies françaises. Non, c'est quoi même? C'est quoi la division des Français par la main? Ça me mélange un peu. Mais il sait qu'il y a colonie dedans. On va voir ça. On va voir ça. Donne-moi un instant. Je vais voir sur Google. Franc CFA. Voilà. Je vais voir ça. Ça veut dire quoi? Bon, c'est en anglais, ça sort ici. Non, en anglais, c'est du mensonge. En anglais, regardez ce qu'ils disent. Ils disent « franc of African Financial Community ». C'est faux. C'est faux. Le C, là, c'est pas communauté. Vous voyez comment les gens mentent? Vous voyez comment les gens mentent? Et vous allez voir ce Toubabou qui a dit aux Français, là, aux Blancs, aux gens, là, de mettre là-bas pour camoufler colonie, là. Ils ont mis « community ». Regardez, hein. Franc of African Financial Community. Mais c'est faux. C'est pas la définition. C'est pas la définition, c'est faux. Vous voyez, Google est en train de mentir aux francophones. Le C là, c'est mis pour colonie. C'est pas community. C'est pas communauté. C'est pas communauté. C'est CDAO, c'est là-bas la communauté. CDAO là, c'est là-bas la communauté. Le franc CFA, merci mon frère. Le franc CFA signifie franc des colonies, les colonies d'Afrique de l'Ouest, un truc comme ça. Oh, c'est pas ça. Quelle est la définition même? Let me, attends, voir. Définition en français, parce que c'est qui me donne. Hein? Vous voyez, les gens ont tout changé. Vous voyez? Ils savent que le combat prend de l'ampleur. Voilà. Voici un autre site anglais, anglophone, qui a donné une autre définition. C'est la preuve qu'il y a mensonge. Le site dit France apostrophe S. Donc ça veut dire quelque chose qui appartient à la France. Quand il fait comme ça, Patriots Shop, ça veut dire la boutique du Patriote. Donc Patriots
on met accent un peu, on met S. Patrios Car, Herman's House, ça veut dire la maison d'Herman. Donc ceux-là, ils ont mis la bonne définition. Ils ont mis French Colonial Legacy in West Africa. Voilà ce qu'ils ont mis comme définition. Vous voyez? Sinon, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est la définition qui est là. Franc des colonies françaises d'Afrique. C'est ça qui est CFA. Le premier franc là, ça veut dire franc. C'est le franc pour tout le monde. Comme franc, comme français, si vous voulez. Franc. Donc le CFA, le franc CFA, le franc c'est le franc. C'est le franc. Mais là, le CFA, c'est le C est mis pour. C'est le franc. Le C c'est colonie. Le F c'est française. Le A c'est d'Afrique. Donc c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Voilà la vraie définition. Vous voyez? C'est ça la vraie définition. Ce n'est pas communauté. Mais Wikipédia dit que c'est communauté. C'est faux. Ce n'est pas communauté. Le C n'est pas mis pour communauté. Le C est mis pour colonial. Vous voyez? Donc nous sommes des colonies encore. Tant que nous consommons sur cette monnaie, nous sommes des colonies. Et c'est pourquoi cette monnaie n'est pas imprimée en Afrique. C'est aussi clair. C'est le Ghana qui imprime sa propre monnaie. C'est les États-Unis qui impriment sa propre monnaie. C'est les pays européens qui impriment leur propre monnaie. On est d'accord? Même le Kenya a sa propre monnaie. Le Nigeria a sa propre monnaie. Même la Mauritanie a sa propre monnaie. La Guinée-Conakry a sa propre monnaie. Est-ce que le franc guinéen est imprimé à Chamalières? Est-ce que le dollar américain, le dollar canadien sont imprimés en France? Non, c'est chaque pays qui gère sa monnaie. Pourquoi nous, notre monnaie est imprimée à Chamalières, qui est une ville française? C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Mais tout début est toujours difficile. Et le capitaine Ibrahim Traoré, le général de brigade Abdramane Tiani et le colonel Assimi Goïta n'ont pas le choix. Ils ont déjà hypothéqué leur vie, si on peut le dire ainsi. C'est des martyrs pour ce combat. Parce que le jour qu'ils vont dire, bon, on est fatigué, on sort du combat, le lendemain, vous allez voir, vous allez entendre qu'ils sont décédés. Ils sont obligés de rester au Mali, au Burkina, au Niger. S'ils doivent sortir, il ne faut pas y voir aller en Europe. Ils sont obligés d'aller vers Poutine. Bon, la Russie, c'est l'Europe. Mais je veux dire, ils peuvent plus. Ceux-là, ils ne peuvent pas partir aux États-Unis. Ni en Grande-Bretagne, ni en Belgique, ni en France. Ils ne peuvent pas partir là-bas. Ils ne peuvent pas. Surtout côté France, là. Ils ne peuvent pas partir là-bas. Même les pays qui environnent la France, l'Italie, ils ne peuvent pas prendre ce risque-là. Parce que Toubabou est capable de les traquer et de finir avec eux. Parce qu'ils sont en train de commencer un combat que la France va payer très cher dans les décennies à venir. Dans les années à venir même, pour être optimiste. La France va payer très cher ce combat que nous commençons dans l'AES. C'est pourquoi il est combattu. C'est pourquoi elle est combattue, notre alliance. Elle est combattue, chers camarades. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Donc, je dis ici, il faut que les Africains comprennent que nous n'avons pas le choix de soutenir cette nouvelle révolution panafricaine. Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons vraiment notre indépendance, voici l'occasion rêvée pour nous en sortir. Ça a marché au Burkina. Non, ça peut marcher partout en Afrique. C'est ça la petite réalité. Ça a marché au Burkina. Maintenant, pourquoi continuer le franc CFA, ça prend le temps? Jusqu'à présent, l'AES consomme le franc CFA. Parce qu'une monnaie, ça ne s'imprime pas comme ça du jour au lendemain. Ah oui. Il faut même d'abord même que tous ces pays-là payent leur crédit d'abord. S'ils en ont. Il faut qu'on se débarrasse des crédits. Et c'est pourquoi quand j'entends que le Mali a pris crédit encore à la Banque mondiale, ça me fait mal. Quand on dit FMI a donné l'argent au Mali, ça commence à me faire mal. Parce que normalement, je pense que chaque pays doit compter. Vous devez diriger le pays avec les ressources dont dispose le pays. Vous devez diriger le pays avec l'argent, uniquement l'argent du pays, comme le fait le capitaine Ibrahim Traoré. C'est pas crédit, hein? Les 78 milliards qu'ils ont investis dans les katakata, là,
Et puis les intrants, les engrais pour l'agriculture là. C'est pas crédit, hein. Chers camarades, vous êtes 300 et quelques, s'il vous plaît, likez le direct sur YouTube, chers camarades. Vous êtes 300 pour quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas, bon, comme il est un peu tôt, il est très tôt chez moi ici, donc je ne sais pas, il n'y a pas vraiment, vraiment beaucoup de personnes en ligne. Mais 300, c'est pas petit, non? Parce que là, maintenant, on a atteint 50 likes. Mais vous êtes 300. Vous pouvez faire au moins 100 likes, chers camarades, s'il vous plaît. Likez le direct. Pour ceux qui ne savent pas comment on like, essayez de regarder en haut. Il n'y a pas de ceux qui sont sur YouTube, hein. Regardez en haut. Il y a trois petits boutons quelque part là-bas. Cliquez dans les trois petits boutons là. Vous allez voir, ça va sortir. Je ne sais pas pourquoi YouTube a masqué ça. Normalement, ça devait être là, mais ils ont masqué, ils ont caché. Donc, cliquez en haut. Il y a trois petits boutons alignés comme ça. Cliquez et puis vous allez voir, ça va sortir. Vous pouvez mettre le pouce bleu. C'est gratuit, chers camarades. S'il vous plaît, likez le direct. Mettez au moins 100 likes. S'il vous plaît. TikTok, merci. Il y a 5000 likes. Tapotez, touchez l'écran. Tapotez, chers camarades. Voilà. Voilà, chers camarades. Et Facebook, bon là-bas, sans, je ne sais pas pourquoi il n'y a personne en ligne. Pompez le cœur, partagez Facebook, partagez. Partagez, chers camarades. Partagez. Voilà le problème. Voilà. Comme le dit quelqu'un, mais Kadhafi, pourquoi les gens ont éliminé Kadhafi, de vous à moi? Pourquoi Kadhafi a été éliminé? Pourquoi Gbagbo a été bombardé? Mais c'est à cause de ça. Parce que Gbagbo même, il allait plus loin. Vous voyez? Et lui, il n'avait pas encore l'aide dont dispose l'AES. Il n'avait même pas encore ça. Et il est allé plus loin. On avait même le MI qui se promenait partout à Abidjan. C'est-à-dire les Ivoiriens, on a fait un exemple d'une monnaie, un billet, que les gens ont imprimé. C'est-à-dire, ce n'est pas les imprimantes des billets des banques, mais c'est les grandes imprimantes là. Ils ont imprimé pour puis ils ont découpé. Ils ont découpé et ça a commencé à partager. Moi, j'ai touché le billet. En Côte d'Ivoire, on avait déjà commencé le 1000. Quand tu tapes le 1000 sur Google, je pense que ça peut sortir. Attends, je vais voir. C'est ça qui les a énervés. Ils ont dit non, lui là, si on n'enlève pas, même si on doit violer les droits internationaux, hein, de toute façon, hein, l'OTAN, de toute façon, l'OTAN ne va rien nous faire parce que nous sommes membres de l'OTAN. De toute façon, il n'y avait pas encore Facebook Live. Donc, ils disent bon, on va utiliser nos médias pour diaboliser Gbagbo. Pour le diaboliser. Et on va dire que c'est pour sauver le peuple ivoirien. Et ils ont bombardé le palais. Sinon, ça ne se fait pas dans un pays. Ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, mais c'est une insulte à l'Afrique, à toute l'Afrique entière. Une armée étrangère qui bombarde un palais présidentiel. Mais où tu as vu ça? Depuis le monde des mondes. Parce qu'ils ont vu que Gbagbo Lawrence est en train d'ouvrir la mentalité des Africains. Quand Kadhafi avait le projet de mettre un satellite africain dans les airs, ils ont compris que si ceux-là, ils ont ce genre de technologie, on va plus les écouter. Si ceux-là, ils ont commencé à laisser ce guide-là, Libyen-là, quelqu'un qui fait que les gens ne payaient pas courant. Les Libyens ne payaient pas courant. Maintenant, ils sont en train de souffrir, ils sont misérables. Mais avant, ils ne payaient pas courant. C'est le logement, entre courant et logement, ils ont un peu oublié. Mais ils ne payaient pas. Le guide libyen prenait tout en charge. Vous voyez? Mais ils l'ont mélangé. Ils ont fait comme ça. Même les soldats l'ont induit en erreur. Il paraît qu'il a donné l'argent pour les rebelles. Il a soutenu les rebelles ivoiriens. Parce qu'il n'y avait pas encore Facebook Live. Donc, c'est les mensonges des médias, hein, que Donald Trump appelle les fake news. C'est eux, les médias mensonges. Ce sont ces médias-là qui ont induit en erreur les Barack Obama. Bon, Barack Obama lui-même, c'est un... Moi-même, je n'aime pas son affaire même. Voilà. Même s'il est noir, je n'aime pas du tout son affaire. Je n'aime pas sa tête même. Je préfère Donald Trump 10 000 fois que Barack Obama. Voilà. Je n'aime pas même les partis politiques, je n'aime pas. Je n'aime pas son affaire même, lui-même. Voilà. Je ne l'aime même pas même. Voilà. Il a été le premier président noir américain, mais pour moi, c'est un gâchis. C'est un faux président. Il n'a même pas cherché. Les Américains ont tous les renseignements. Même tu as vu, même il connaît la vérité. Mais il a soutenu son allié, la France. Puis ils ont bombardé les États-Unis, il a fermé son groin. C'est un faux président. Pour moi, c'est un faux président. Et Dieu merci que je ne suis pas venu aux États-Unis sous son magistère. Et sous sa gouvernance. Voilà, sinon ça n'allait pas me plaire. Je suis venu ici quand Donald Trump était au pouvoir. Voilà, c'est ça aussi qui est la vérité. Moi, pour ceux qui ne savent pas, moi, je n'aime pas Lula.
Je n'aime pas Barack Obama, mais il m'énerve même, ce gars. C'est pas forcément à cause des Côte d'Ivoire, hein, mais lui-même, il m'énerve. Parce que c'est un gars qui est dans le oukou même, les choses dans lesquelles il est là. Si on te dit, même toi, tu as dit, ouais. C'est un faux type même. Voilà, lui là, c'est un fille. Non. Et il est dans les trucs bizarres. J'ai pas envie de prononcer certains mots ici. Voilà, donc moi, c'est pas un homme même que je n'ai même pas du respect pour lui. Je ne l'aime pas même. Voilà, je ne l'aime pas ce gars-là. Quand je le vois, quand je passe, je zappe en même temps. Il m'énerve même, ce gars-là. Je parle de Barack Obama. Il me plaît même pas même. Je ne l'aime pas même. Voilà, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas même. Tout ce qui se passe en Afrique, il a fermé sa bouche. Il n'est plus président. Il peut s'exprimer librement. Lui, là, il se considère même pas comme noir. Hein. Lui, que vous voyez comme ça, il se considère même pas comme noir. Lui, chez lui, il est blanc. Lui, chez lui, là, lui, il est blanc. Donc, lui, je ne l'aime pas même. Voilà, je ne l'aime même pas. Le jour, je le vois dans la rue, il est dépassé comme ça. Donc, chers camarades, qu'est-ce que je voulais montrer même? Il a pris la tablette, je voulais montrer quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire même? Oh, j'ai oublié là. Bon, c'est pas grave, j'ai oublié. Je voulais montrer quelque chose là. Ah, le mire. Le mire. La monnaie ivoirienne de résistance. Voici pourquoi les gens ont bombardé Bobo Laurent. C'est même pas à cause d'élection. Parce que quand Paul Yaoundé a reconnu la victoire de Bobo Laurent, ils n'ont rien dit à ce testant là. Mais quand ils ont vu que le combat continuait, les bleus goudés bavardaient. Parce que ça, c'est pas combat. Il était en train de bavarder pour son ventre. Voilà. Donc, les bleus goudés bavardaient. La monnaie. On doit battre monnaie. Je vous ai montré la vidéo ici où bleu goudé parlait de ça. On doit battre monnaie. Les gens ont commencé à comprendre. Hein? Ah bon? Ah si, c'est comme ça, on va aller avec Bamougou. Voilà. C'est bleu goudé. C'est lui. Attends. Je vais voir si je peux trouver ça. Est-ce que je peux... Un jour, j'ai montré ça ici. Attends. Vous allez voir. C'est ça qui a énervé les Toubabous. Et puis, ils sont venus nous bombarder. C'est ça, là. Ben, on était en pleine crise. On était en pleine crise. Qui vous a dit que le Ghana a choisi d'avoir sa monnaie à un moment qui vont juger être le moment? C'est quoi le moment? Un moment plus calme, un moment propice aux réflexions. Mais je vous répète que c'est pendant les grandes crises que se révèlent les grandes intelligences. Peut-être que c'est le moment pour que notre pays... Et puis, monsieur, vous avez oublié certains... Pour que ce pays de la CEDEAO peut-être vive sans nous. Il y a des indications quand même qui nous disent que ce pays enfin nous laisse en paix. Oui, ce que vous dites, mais il y a des indications quand même qui nous disent que c'est difficile d'avoir une monnaie actuellement. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire avec un PIB de 2000 milliards, avec une dette de 7000 milliards... En plus, même le Ghana dont on parle, la monnaie du Ghana est soutenue par la Banque d'Angleterre. Mais je voudrais vous dire qu'on ne bat pas monnaie parce qu'on a simplement envie de le faire. Ce sont des circonstances qui vous obligent. Vous pensez que la Mauritanie a quitté la zone franc parce qu'elle en avait envie? C'est une difficulté. Mm-hmm. Le Ghana n'a pas stabilisé sa monnaie en 2-3 mois. Le Ghana a accepté que le Ghana voulait accoucher d'une nouvelle nation ghanéenne. Libre, indépendante. Le Ghana a mis le système monétaire en place et a créé sa propre monnaie. Si nous voulons accoucher d'une nouvelle nation libre, indépendante, on doit savoir qu'il y a des difficultés à traverser. Je voudrais vous dire que tout accouchement est difficile et douloureux. Mais une fois que l'enfant a poussé ses premiers cris, la mère oublie cette douleur-là. Je voudrais donc vous dire que pour moi, tout se présente à nous. Ou alors on recule et on baisse les bras. Où nous acceptons d'embrasser les difficultés et demain on sera heureux d'avoir participé à cette révolution, tant politique que monétaire. Sinon, on n'aura jamais notre indépendance. Oui. La France, depuis Paris, va donner l'ordre à la BCAO de ne pas donner l'argent à la Côte d'Ivoire. La France, depuis Paris, va manipuler la BCAO, la CEDEAO. La France, depuis Paris, va manipuler l'Union africaine. Je voudrais vous dire, toutes ces organisations et ces organismes que je viens de citer sont les succursales de Paris. Mm-hmm. Ils vous diront non, la France nous menace, on a un peu peur. Regardez un peu tous les chefs d'État d'Afrique. La journée, ils sont d'accord avec la France. La nuit, ils dénoncent la France. Parce qu'ils sont liés quelque part. Regardez comment le président Bongo est mort. Là, un matin, la France se réveille, bien mal acquis. Il faut poursuivre M. Bongo, le président Bongo.
Il en a tellement été choqué qu'une semaine après, il est décédé. Le président Mobutu, qui était tant choyé, n'a même pas eu droit à une sépulture honorable. Il n'a même pas pu avoir le visa français pour aller se soigner en France, ni en Belgique. Il est mort dans un pays africain. C'est comme cela qu'ils nous traitent. Nous sommes leurs chouchous quand nous sommes des présidents dociles et que nous leur permettons d'exploiter nos pays. Mais une fois qu'ils ont tout eu de nous, ils nous exposent. C'est un message qu'ils lancent à tous les Africains, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient en France, qu'ils soient au Gabon, qu'ils soient au Togo, au Cameroun. Levez-vous, levons-nous, pour que notre continent puisse dire non. Il peut y avoir des crises dans un pays. Quand un voisin a une crise qui secoue son voisin, on vient aider ce voisin. On ne vient pas faire la guerre à ce voisin. Je crois que la France est en train de vous manipuler. Réveillez-vous. L'Afrique vous appelle. C'est cela, mon mot. Monsieur Charles Blévoudé, voilà. Vous voyez, lorsque nous... Donc, vous voyez, là, c'était le débat concernant le franc CFA. Et on était en pleine guerre. Les rebelles étaient là. Et les gens, le président Laurent Gbagbo était pour la nouvelle monnaie. Parce qu'à cette période, quand Blé Goudé parle, c'est Gbagbo qui a parlé. Puisqu'il ne faisait que relayer les idées de M. Gbagbo Laurent. Donc, quand les Toubabou, tout ça, les Toubabou suivaient, quand ils ont vu, ils ont écouté ça là, ils ont dit non, si on ne se débarrasse pas de, on ne se débarrasse pas de cela, on va se retrouver 110e puissance mondiale. Donc, ils ont fait ce qu'ils n'ont jamais fait dans aucun pays au monde. Ils ont décollé les hélicoptères pour aller bombarder les positions des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour les empêcher de faire ça au Burkina Faso. C'est pourquoi les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, c'est-à-dire l'AES, a décidé d'abord de chasser cette armée. Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Puisque Ibrahim Traoré était vivant, ils savent très bien ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils ont vu ce qui s'est passé. Donc, ils se sont dit... Si on veut vraiment bien mener notre lutte, on doit se débarrasser d'abord de l'armée française. Vous voyez maintenant, non? C'est pourquoi les assimilants ont dit d'abord, il faut que l'armée française parte. Parce que si on n'échappe pas cette armée, elle peut venir contre nous. Elle peut nous combattre demain. Vous voyez? Donc, voici un peu ainsi exposé ce que j'avais à vous dire. Nous n'avons pas le choix, comme Blé Goudé le disait, malheureusement, lui-même, il dit soit on continue le combat, la lutte, ou bien on baisse les bras, et puis on ne sera jamais libre. Aujourd'hui, lui-même, il a baissé les bras. Ça fait 2 ans, il est rentré en 2022, hein, n'oubliez pas. Ça fait 2 ans, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore prononcé le mot France. Il n'a pas encore prononcé ce nom commun, là. France, le mot France, là. Il n'a pas encore dit ça de sa bouche. Il a baissé les bras, totalement les bras. Pourquoi? Parce qu'il est lié. Lui-même, il a dit. Il dit la France. Il dit on est lié à la France. On est lié. Lui, aujourd'hui, il est lié. La France passe par Dramane pour fermer sa bouche. La France passe par Dramane pour faire de lui une familette. Et aujourd'hui, Blé Goudé ne peut plus parler. C'est fini. S'il parle, la France va dire, hey, le petit que vous avez fait rentrer là, le petit là parle beaucoup, mettez-le au Niouf, les 20 ans. Et aujourd'hui, lui-même, il est pris. C'est fini. Sinon, c'était l'un de notre pion. C'est pas lui qui dit, j'appelle. Il a cité des pays, écoutez un peu. Écoutez. Il en a tellement été choqué qu'une semaine après, écoutez la partie là. Il est décédé. Mm-hmm. Le président Mobutu, écoutez, qui était tant choyé, n'a même pas eu droit à une sépulture honorable. Il n'a même pas pu avoir le visa français pour aller se soigner en France, ni en Belgique. Il est mort dans un pays africain. C'est comme cela qu'ils nous traitent. Nous sommes leurs chouchous. Quand nous sommes des présidents dociles et que nous leur permettons d'exploiter nos pays. Mais une fois qu'ils ont tout eu de nous, ils nous exposent. Écoutez, maintenant la partie. C'est un message que je lance à tous les Africains. Le message. Où qu'ils se trouvent, mm-hmm. qu'ils soient en France, qu'ils soient au Gabon, qu'ils soient au Togo, au Cameroun, levez-vous, levons-nous, pour que notre continent puisse dire non. Il peut y avoir des crises dans un pays. Quand un voisin a une crise qui secoue son voisin, on vient aider ce voisin. C'est exactement ce qu'il a dit qui se passe aujourd'hui. Hein? Pendant que lui-même, il est de l'autre côté. Lorsque le Niger était dans les problèmes, le Mali, le Burkina, qui sont non seulement des pays voisins, ont décidé de soutenir le voisin. Malheureusement, l'autre côté, la Mauritanie, qui est un pays bizarre, n'a rien fait. Et on a aussi l'Algérie, je veux dire le Tchad, aussi le Tchad.
ils ont fait un petit discours bizarre, mais ils n'ont rien fait de concret. Mais les pays là, les deux pays que je viens de citer, Mali, Burkina, sont allés aider. Ils ont dit, si vous attaquez le Niger, c'est que vous nous avez attaqué militairement. C'est pourquoi la CEDEAO n'a pas bombardé le Niger. Donc c'est ce qu'il disait ici. Donc, il lançait un appel. Et il avait raison. Malheureusement, aujourd'hui, lui-même, il est pris en tenaille. Et c'est la France qui a fait cela. La France dit, Gbagbo Laura, vous pouvez l'amnistier. Et vous pouvez le gracier. Mais si vous amnistiez ce monsieur-là, il peut revenir encore dans l'arène politique. Il va vous pourrir la vie. Donc, il est mieux de ne pas l'amnistier, mais gracier-le. Lui, il ne peut pas faire coup d'État. Il ne peut pas trop vous déranger. Lui, il ne connaît pas rébellion. Mais Blé Goudé, on ne sait jamais son fond. Vous ne le connaissez pas bien. Si lui-même, il maltraite son père, Gbagbo Laura, qui a fait de lui Blé Goudé, c'est que vous, il peut vous créer des problèmes. Donc, pas de grâce, pas d'amnistie, ni rien. Laissez-le se promener. C'est un prisonnier ambulant. Laissez-le se promener, mais ne faites rien à son encontre, parce qu'on ne sait jamais. Si vous le graciez, il peut faire certaines choses derrière. Donc, pas de grâce, pas d'amnistie. Les 20 ans sont suspendus et ils se promènent. Et avec ça, vous allez fermer sa bouche. Vous pensez que les conseils, là, Drama Ouattara prend les conseils là où? Mais Drama Ouattara prend les conseils depuis l'Elysée. C'est moi qui vous dis la vérité. Il y a une cellule de crise africaine. Si France 24 et TV5 Monde font le journal de l'Afrique, ça ne vous dit rien? Une chaîne française, hein? Mais on a combien de continents? Il y a plusieurs continents. Il ne faut jamais le journal de l'Amérique. Les pays qui sont mouvementés, où il y a affaire de Donald Trump, ils font des petits débats et puis c'est fini. Mais pour nous, il y a tout un journal de l'Afrique. Bienvenue, vous êtes sur France 24, vous avez raison, le journal de l'Afrique. Et puis ils parlent maintenant de l'Afrique de l'Ouest. Eux, ils ne parlent jamais de l'Afrique du Sud, mais les autres Africains. Là où à leur intérêt, là, c'est là-bas, ils mettent les yeux. Sinon, l'Afrique, c'est un grand continent. Vous voyez cela, est-ce qu'eux, ils parlent du Kenya? Vous voyez même, est-ce qu'ils parlent même du Cameroun? Ceux-là, ils ne parlent même pas du Cameroun. Même maintenant, ils ne parlent même plus du Ghana. Maintenant, parce que Ghana ne consomme plus le franc CFA. Donc, ils ne gagnent plus trop avec Ghana. Ils ne gagnent pas grand-chose. Donc, ils ne parlent plus de Ghana. Hein. Eux, ils parlent du Burkina, du Mali. C'est-à-dire, ils diabolisent le Burkina, Mali, le Niger. Ils font la publicité de Dramane Ouattara en parlant de la Côte d'Ivoire. Ils parlent un peu de Patrice Talon, etc. C'est là que eux ils tournent. Mais ils appellent ça le journal de l'Afrique. Comprenons, chers Africains. Normalement, quand on dit le journal de l'Afrique, ils doivent parler de toute l'Afrique. Ah oui, le Cameroun, Sierra Leone, Afrique du Sud, partout. C'est ça l'Afrique. Est-ce que l'Afrique, c'est Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, Mali, Togo? Mais réfléchissons. Réfléchissons, chers Africains. Est-ce que c'est ça l'Afrique? Ça, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et puis l'Afrique de l'Ouest, dans les parties de l'Afrique, là, c'est le coin le plus pauvre en Afrique. Le Nigeria, lui seul, sûrement là. C'est maintenant que, bon, ils sont en train de faire les bêtises. Non, le Nigeria est le pays le plus riche d'Afrique. Est-ce que vous le voyez, les gens? Il faut que les gens parlent même beaucoup du Nigeria même. Le Nigeria fait partie de la CEDEAO. Mais les gens ne parlent même pas beaucoup du Nigeria. Parce que le Nigeria a sa propre monnaie. Chers Africains, comprenons. C'est tellement simple. Ils nous tiennent par la monnaie et par l'armée. Donc, ils ne parlent pas trop du Nigeria. Même Ghana qui est tout près là. Nous, on fait frontière au Ghana, non? Mais ils ne parlent même pas de Ghana même. Parce que Ghana a sa propre monnaie. Vous voyez maintenant, non? Ils sont toujours sur le Tchad. Ils sont toujours sur le Burkina. Ils sont toujours sur le Mali, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Voici les pays qu'ils utilisent. Chers camarades, parce que c'est nous qui les enrichissons via la monnaie et via nos présidents nègres de maison que nous avons, comme les Dramane Ouattara, comme les Bassirou. Et je maintiens ce que j'ai dit, jusqu'à preuve du contraire. Tant que je n'ai pas vu quelque chose de concret, je dis que Bassirou, ne comptons plus sur lui. Ne comptez pas sur lui là. Il paraît même que le Sénégalais, c'est le même sang Senghor là qui est dans leur veine. Chaque pays à son leader. Au Burkina, c'était Thomas Sankara. Thomas Sankara est revenu. Au Sénégal, c'était les Senghor. Il n'y a pas un francophile que Senda Senghor.
C'est ce que nous voyons aujourd'hui là. Tout ce qui s'est passé de 2020 en 2024 en Côte d'Ivoire, on enlève même la rébellion dedans. Mais de 2020 en 2024, mais les partisans des Drama Ouattara ont enlevé crâne chaud de quelqu'un pour jouer ballon. Bassir, on n'a pas vu ça. Pour le troisième mandat, mais il y a eu plus de 400 décès. Bassir, on n'a pas encore vu ça. C'est ce qu'on appelle la démocratie là. Ça fait pitié quand même. Y a-t-il pas un colonel, un général, quelque part pour enlever ceux-là même? Et je vais vous dire quelque chose, chers Africains. Si quelqu'un fait coup d'état au Sénégal, moi je vais soutenir ce dernier-là. Peut-être ce combat-là, ça va faire que les Américains vont dire, hey, tu fais des choses anormales, faut rentrer. Il n'y a pas de au Burkina. Moi, je n'ai pas peur qu'on me rabatterie. Hein. Tout à l'heure, il a dit que je n'aime pas Donald Trump. Et puis je maintiens. Même Joe Biden, même là, si il doit voter, là, il ne va pas le voter. Parce que je les aime pas. Leur truc, c'est pourquoi il n'avait pas voté pour Obama même. Parce que l'autre, il est dans le problème. Je ne suis pas sûr même qu'il va faire tout. La problème de, on dit la Mougou femme, on dit il a fait les impôts. Bon, les gens le fatiguent. C'est pourquoi moi, j'ai décidé, mais cette année-là, mais je ne vote pas. C'est bon. Voilà, je ne vote pas. Non, mon frère, tu fais des bons commentaires et j'aime ton affaire. Comment il s'appelle même? Grenoble, je t'ai beaucoup remarqué, tu fais des bons commentaires et tu es beaucoup actif. Chers camarades, s'il vous plaît, like, on n'a même pas encore 100 likes. YouTube, pardonnez, c'est vous qui faites ma force. Si vous n'étiez pas là, moi, j'allais plus faire direct. Par Facebook même, c'est mort. Donc, c'est vous qui me faites la force, c'est vous qui faites ma force. Avec vous, je vois les 4, là où vous êtes 400 et quelques. Quand il fait les, même hier, j'ai vu 700, 600. Donc, vous me donnez la force. Sinon, si vous n'êtes pas là, je ne peux même plus faire direct parce que je ne peux pas faire direct avec 100 personnes, avec Facebook, 100 brin. Attention sur la grande page, hein, parce que mon Facebook est mort. Donc, chers camarades, s'il vous plaît, likez mes directs, pardonnez, c'est gratuit. On n'a même pas encore atteint les 100 likes, chers camarades. Mais ça fait plus d'une heure que je suis en direct. Facebook, s'il vous plaît, partagez le direct. Je ne vois personne en ligne, partagez, s'il vous plaît. TikTok, merci pour le tapotage, tapotez, likez, chers camarades. Tapoter, chers camarades. Moi, je dis, ne comptez pas sur Bassirou. Pourquoi Macky Sall? Merci, Facebook. YouTube, merci beaucoup. On est à 100 likes. Continuez de liker. Je vois 100 likes. Continuez. Regardez en haut, là. Il y a trois petits boutons. Cliquez là-bas et likez le direct, s'il vous plaît. Likez le direct, s'il vous plaît. Alors, le frère qui a dit qu'ils nous tiennent par la langue française, moi, Herman le patriote, je suis en train de penser, mon site internet, le petit qui devait faire mon site internet, là, son ordinateur est gâté. Tu vois, je l'ai attendu pendant, ça fait maintenant 8 mois qu'il m'avait promis qu'il allait faire ça pour moi, puisqu'on a fait la même terminale ensemble. La première année, quoi. Il m'a fait terminale deux fois. La première année, lui, il était notre premier. Moi, j'étais cinquième. Et puis, je n'ai pas travaillé à l'examen. Donc, j'ai repris. C'est là, mais là, je vais les tuer, là. Voilà. Donc, ce petit-là, il est très fort dans faire des sites internet. Il m'avait dit qu'il allait faire ça depuis là. Même aujourd'hui, je l'ai appelé. Je ne sais pas s'il traverse des problèmes. Il n'arrive même pas à bien parler. Je lui fais un big up ici même d'ailleurs. Je pensais, mais c'est chaud partout. C'est chaud partout. Mais moi-même chez moi, ça c'est pas bon. Vous voyez que maintenant, on entend faire les boutiques, non? C'est chaud. Même si je dois prendre même 10 dollars, 5 dollars comme bénéfice, je vais faire ça. C'est mieux que zéro. Non, chers camarades, allez-y sur ma boutique. YouTube, bientôt, il va mettre ça en description. Vous allez voir ça, vous allez voir le truc là en description de tous mes directs. Il a fait la mise à jour. Voilà. Donc, vous cliquez là-bas. C'est même chose comme Amazon. Vous mettez. C'est sécurisé, pas possible même. Ne pensez même pas que même. N'ayez pas peur de mettre votre carte bancaire ou bien votre PayPal. C'est un truc américain. C'est connu. Et c'est sécurisé. C'est ultra sécurisé. Donc, il ne faut même pas faire truc même. C'est très connu. Voilà. Donc, tu vas sur le site. Tu mets pas, tu vas voir. La différence, c'est que c'est moyen d'envoyer. C'est tout. Voilà, j'ai me déplacer, c'est-à-dire je prends ma voiture, je m'en vais à la poste. C'est 10 minutes de conduite, c'est pas trop loin, 10 minutes, je suis à la poste. Donc moi, il y a emballé. Par ailleurs, à la poste, là, il y a des cartons qui sont déjà prédéfinis. Donc, si c'est pas trop gros, voilà. Maintenant, si c'est les trous protégés, si c'est les trous comme ça, par exemple, là, je n'ai pas besoin de mettre un carton. Mais je préfère mettre un carton pour protéger. Par exemple, les gens peuvent ouvrir, on ne sait jamais, hein, les gens qui font la poste là. Bon, ici, je ne pense pas qu'un homme de la poste va voler ça là, je ne pense pas. Ici, les gens ne volent pas comme Air France. Et Air Côte d'Ivoire
qui ont volé l'or de la dame là. Ici, je ne pense pas. Donc, même comme ça, ça peut être comme ça. Je peux peut-être mettre scotch ici, mais ça peut être comme ça. Je mets seulement le libellé parce que la poste a besoin de voir ça va à quelle adresse. Donc, c'est moi qui dois imprimer ça. Voilà, donc j'imprime, je colle. Maintenant, l'adresse voit, ah, ok, Paris, ta, et puis ils envoient ça. On t'envoie ça en France là-bas. Ou bien Washington DC, New York, et puis on te balance. Donc, je vais mettre ça derrière ici pour ne pas fermer l'image. Je vais mettre ça derrière ici pour t'envoyer. Voilà, on va mettre ça dans un coffre. Les coffres là, c'est pas cher, c'est 2-3 dollars. Les petits cartons là, j'achète, je mets, et puis poum, ça vient. Donc, chers camarades, voilà. Surtout pour ceux qui ont des voitures, tout ce que je vends là, ça va beaucoup vous arranger. Qui vit aux États-Unis ici? Pause publicitaire. La deuxième et la dernière. Comme c'est le premier jour, c'est pourquoi il fait deux pauses publicitaires. S'il vous plaît, qui vit aux États-Unis ici? Et qui a une voiture? Si tu vis et puis tu as une voiture, tout ce que je vends, ça va beaucoup t'aider. Mais je vends d'autres choses. Hein. Je vends plein de choses, vous allez voir. Mais c'est les choses des véhicules là qui dominent. Quand ta clé est bloquée, ok, je vends des choses pour paramétrer les clés. Je vends plein de choses, plein de choses. Ça là, par exemple, c'est scanner, ça scanne la voiture. Mais il faut que ta voiture soit entre 1996 jusqu'à maintenant. Si c'est 1995 et puis descendre, ça ne peut pas reconnaître. La voiture n'a pas la technologie. Mais à partir de 96, il y a des technologies qui sont dans la voiture. Donc, même si la voiture conduit bien, ça peut scanner la voiture pour te dire exactement ce qui se passe. Il y a des choses qui sont voilées, le tableau de bord n'est pas obligé de te montrer certaines choses. Voilà, ça s'appelle scanner. Donc, il y a quelqu'un qui vit en Martinique. Oui, ça peut aller là-bas. Par exemple, le site là, il est paramétré. Je peux livrer partout. C'est en Afrique que je n'ai pas encore paramétré. J'ai paramétré en Afrique. J'ai mis Et on dirait, j'ai fait Burkina Faso. Oui, j'ai fait. J'ai mis Burkina Faso. J'ai paramétré Burkina Faso. On dirait, c'est 15 dollars pour le shipping. Le Burkina Faso, DHL. C'est DHL, ils ont choisi pour vous. C'est le site qui choisit en même temps le moins cher, quoi. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est aux États-Unis. Ah, ok, voilà Sangaré, il est à New York. Voilà. Donc, par exemple, Sangaré, ça, c'est free shipping. Voilà, free shipping pour ce truc-là. Donc, Sangaré, il faut aller sur mon... Ah non, ce n'est pas encore disponible sur YouTube. Bref. Donc, vous voyez un peu, chers camarades. Voilà. Donc, le truc, c'est le patriote, quelque chose. Patriote, cartel. Le mot cartel, bon, c'est les gens de drogue-là qui ont fait que c'est un faux mot. Sinon, cartel, en réalité, c'est comme... C'est la définition, c'est comme marché, un marché, si vous voulez. Voilà, donc c'est le nom du site. Mais ça commence par le patriote, voilà, par mon truc, quoi. Le patriote, cartel.com, voilà. Mais il y a mettre le lien, ça y est, je suis déjà sur Facebook. Mais il y a mettre le lien là-bas, comme ça vous pourrez cliquer, ok, voilà. Et puis, vous pourrez faire truc, voilà. C'est juste 2, 3, c'est mieux que zéro, quoi. C'est une manière de me débrouiller. S'il y a beaucoup de clients, ça peut me rapporter quelque chose. Si je vends 10 et que sur chaque objet, je gagne 2 dollars. Bon, je gagne 5 dollars par exemple. Et puis, je vends 10 par jour. Ça fait 50 dollars. C'est mieux que zéro. Bah, il faut conduire pour aller envoyer. Voilà, donc c'est ça. Mais c'est pas grave. Je vais commencer. Je vais voir un peu ce que ça va faire. Donc, je compte sur vous pour me soutenir. Surtout pour vous qui êtes aux États-Unis. Allez-y, achetez mes marchandises, chers camarades. Voilà, allez-y, achetez mes marchandises. Donc, vous voyez, on en a besoin. Je vous assure qu'on en a besoin, chers camarades. Je vous assure. On a besoin. Moi, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas quitter ce monde-là sans voir le combat avancer. Et puis, l'AES, là, c'est comment faire des monnaies, là, c'est comment? Vrai même. Parce que ça commence à prendre du temps. À faire des monnaies, là, c'est comment? On est à quel niveau? Mais je compte sur eux. Je fais confiance au capitaine Ibrahim Traoré. Je fais confiance au général de brigade Abdramane Tiani. Bon, c'est Abdramane Tiani, mais on prononce ça Abdramane Tiani. Voilà, c'est comme ça qu'on prononce. Et je fais confiance au colonel Hassimi Goïta. Ils vont nous surprendre, vous allez voir. Le président Bobo a dit dans 10 ans. Moi, je ne crois pas que ça va prendre 10 ans. Ibrahim Traoré, que je connais là, je suis sûr que c'est lui qui va mettre pression. Il va mettre pression sur ses grands frères. Pour dire, mais hey, les gars, parce qu'il devait avancer. Vous voyez, les jeunes guides là, parce que Ibrahim Traoré pour moi, c'est pas un président, c'est un guide. Les jeunes guides là, ils sont pressés. Hein? Regardez, en Corée du Nord, les gens ont commencé depuis 1950 d'en faire des nucléaires là, ils n'ont pas pu. Son papa a commencé, il n'a pas pu, il est décédé. Il y a un autre qui est venu, il a djouf. Quand lui, il est venu là, deux temps, trois mois, il est venu en l'an 2000, si je ne me trompe pas, Kim Jong-un.
Kimberly, parce que quand tu dis le nom là, on te framponne, YouTube te framponne. Donc Kimberly, je vais voir, il a pris le pouvoir en quelle année? Actuellement là, il n'y a pas un pays, il n'y a pas un pays dans le monde là qui peut les effrayer. Tu t'amuses, ils vont faire douille. Ils ont des intercontinentaux. Ils ont ça. Ils ont des intercontinentaux. Il n'y a pas dit le nom là, parce que l'autre nom là, il n'y a pas dit. Intercontinentaux, vous comprenez de quoi il parle? C'est-à-dire ça clique sur un continent et puis ça va sur un continent. Il peut frapper n'importe quel coin du globe. Les jeunes leaders là, surtout les jeunes leaders qui sont concentrés sur les pays, ils sont pressés. Hein? Ah oui, ils ne savent pas pourquoi. Mais eux, ils sont plus pressés que les vieux. En temps, normalement, c'est les vieillards qui devraient se presser parce qu'ils ont vu la mort. Donc tu fais rapidement, tu rends service à tes petits enfants et puis tu meurs comme les Dramane Ouattara. Mais il est là en train de construire pont. Pendant qu'Ibrahim Traoré prend 78 milliards. Pour rendre service aux agriculteurs, il fait des trucs comme les projets de système solaire. Mais Ibrahim Traoré, c'est lui qui a debout le train. Le train de Ouagadougou était mort, les ferrailles étaient gâtées. Le vieux Blaise, il n'a jamais songé à arranger le train là. Ça là, on a oublié. Mais il a debout le train marche. Les gens montent dans le train pour se promener. De Ouagadougou, Bobo Dioulasso, le train. J'ai fait le direct là-dessus. C'est Ibrahim Traoré qui a debout le train. Le train ne marchait pas. Ils ont arrangé le train, ils ont arrangé les rails, et puis pouf, il a mis le train en circulation rapidement. Vous voyez, chers camarades? Comment il s'appelle même? Kim Jong-un. Ok? Je vois, il a pris le pouvoir à quelle année? Qui peut me dire ça? Ah, il a 40 ans maintenant, vous voyez? Il a 40 ans maintenant. C'est maintenant il a 40 ans. Quelqu'un qui a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir en quelle année même? Il a pris le pouvoir en 2011. Vous voyez? Il a pris le pouvoir en 2011. Tout récemment là. Et celle-là, il a pris le pouvoir. Quand son père est décédé, il a pris le pouvoir, je crois bien. Il a pris le pouvoir en 2011. 2011, 2024, ça fait combien d'années? Ça fait 12 ans. Non. Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. En 13 ans, ils ont fait le premier essai. Ça n'a pas marché. Les gens se sont moqués de lui. Il a kété. Aujourd'hui, là, faut regarder parade. Faut mettre parade. Et puis, faut mettre Corée du Nord. Faut mettre parade. Tu vas avoir peur. Aïe! Chers camarades. Donc, les jeunes leaders, moi, je fais beaucoup confiance à ceux-là. C'est pourquoi vous allez voir. C'est pourquoi vous allez voir. D'accord, Seydou Kone, merci beaucoup. Il dit qu'il est à New York. Voilà. Donc, je vais vous donner. Je vais mettre le truc, le site. Soyez sûr que vous êtes abonné. Je vais mettre le truc. Voilà, je vais mettre le truc. Et puis, vous pourriez aller là-bas. Parce que je ne connais pas le site là par cœur. C'est aujourd'hui que j'ai payé. On paye, hein. On paye par mois. Donc, c'est pourquoi je dis acheter mes trucs. Ça va m'aider. C'est payant. Donc, aidez-moi. Aidez-moi, chers camarades. Voilà, je vais vendre mes trucs là-bas. Je vends beaucoup de choses, même les vêtements. Je vends plein de choses là-bas, chers camarades. Plein. Et je veux être sûr que j'ai ça d'abord. Parce que généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas encore acheté, puis ils postent. Maintenant, c'est quand le client demande, il court maintenant pour aller chercher. Tu vois, quand c'est comme ça, ça va prendre trop le temps. Tu vois, il va mettre au moins 2 jours pour que lui-même, il aille prendre. Non, moi, j'achète d'abord, et puis maintenant, il balance. Comme ça, dès que tu as ça, ça prend quelques jours, ça arrive. Donc, chers camarades, aidez-moi avec ma nouvelle boutique en ligne. Hein, voilà. J'ai plein de... Même en bas là-bas, plein de choses. Hein, plein de choses, chers camarades. J'ai plein de... Je ne sais pas si vous voyez. Mais j'ai plein de choses. Même en bas là-bas, j'ai plein de choses. Voilà. Plein. Même dans mon carton aussi, il y a plein. Voilà. Donc, chers camarades, je pense que... Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comme je ne suis pas allé à l'école, le professeur... On a même cours en ligne, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, moi, je ne vais pas là-bas. Mm-hmm. Donc, je ne suis pas allé à l'école, chers camarades. Donc, voilà. J'ai pris le temps pour faire la première vidéo. Mais je vais revenir encore dans d'autres vidéos plus spécifiques. Aujourd'hui, j'ai parlé seulement de manière générale de l'AES. On a besoin de l'AES. Mm-hmm. On a besoin de l'AES. Je vous assure. Mm-hmm. On a besoin de l'AES. Quelqu'un dit qu'il ne faut pas oublier le Togo. Oui, bon,
au loin là-bas, là, je vais voir un peu. Je vais voir. Parce que le shipping seulement, là, ça va vous coûter cher. C'est pour ça que je ne suis pas trop... Voilà, le shipping, là, parce que ça va prendre l'avion, tout ça, là. Donc, ça sera beaucoup plus cher, au fait. Mm-hmm. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Merci beaucoup. Donc, j'ai même les tablettes, tout ça, là. Je mets ça dedans. Les vannes. Voilà, ceux qui sont au loin, là, c'est les trucs comme ça que vous pouvez bénéficier. Vous voyez, là, les iPhones, là. Mm-hmm. Les iPhones, là, vous pouvez bénéficier. C'est ça que j'ai posté. C'est-à-dire, ils peuvent voir les tablettes comme ça, là. Tu vois, non, les tablettes comme ça, là, voilà. Les dernières générations, mais avant dernière génération. En tout cas, les trucs comme ça, là. C'est ça que je peux vous vendre. Là, au moins, tu payes cher pour quelque chose qui est plus cher. Tu vois, non. Et puis, tu gagnes un peu. Donc, je vais vendre les iPhones, les ordinateurs portables, les tablettes. C'est ça que vous allez voir là-bas. Voilà, nouveau, comme deuxième main. Il y a tout balancé là-bas. Maintenant, le prix sera là. Toi, maintenant, tu vas comparer. Avant d'acheter, tu regardes le prix que moi je propose. Tu vas dans le magasin de iPhone ou bien ceux qui vendent iPhone à bord de route. Tu compares les prix. Si tu vois que pour moi ça t'arrange, tu commandes. Je ne fuis pas au-dessus là. Voilà. Et puis le site, ce n'est pas pour moi. Donc, c'est facile même pour faire tout. Puisque le site ne m'appartient pas. Ce n'est pas mon propre site internet pour dire j'ai manipulé. Non. Puisque eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui me payent. Tu vois, c'est quand toi tu as payé là que eux maintenant ils vont dire bon, ils ont payé ta marchandise. Voilà ton dieu. Tu vois, non. Donc, ça veut dire que nous deux, on travaille via le site. C'est comme Amazon. Il y a des gens qui vendent sur Amazon. Donc, n'ayez pas peur. Donc, je pense que ceux qui sont au loin, là, vous allez beaucoup gagner avec ça. Parce que je vais vendre les ordinateurs. Voilà. Ordinateur portable, je pense que je peux faire le shipping de ça. C'est un peu cher, parce que c'est un peu lourd. Mais les tablettes, les iPhones, les ordinateurs, tout ça, là, j'ai posté. Voilà, j'ai posté là-bas. Voilà. Donc, c'est ça que je peux vous vendre. Mais les trucs moins chers comme ça, là, vraiment, ça... Bon, je ne sais pas si on vend ça en Afrique, mais je pense. Mais en tout cas, vous allez décider. Quand tu vas aller sur le site, tu vas décider. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Merci beaucoup. Mais je pense que ceux qui sont au loin, là, c'est les trucs chers. C'est sur ça qu'on va faire, on va travailler. Voilà. Même ceux qui veulent acheter en gros, voilà. Parce qu'il y a le nombre. C'est-à-dire que tu peux mettre iPhone 11, ou bien iPhone 12, 13, et tu peux mettre, je veux 10. C'est comme ça. Mais tu m'appelles d'abord. Quand tu veux beaucoup, là, il faut m'appeler d'abord. Comme ça, il y a tout mettre dans un carton pour ne pas qu'il envoie ça un à un, ça va fatiguer. Donc, tu veux beaucoup, tu mets le nombre, mais tu m'appelles d'abord. Tu m'écris par mail, mais tu m'appelles, il y a cherché un numéro que je vais mettre. Voilà, tu m'appelles, on discute d'abord avant de commander. Ok, moi, je veux 20. Je suis un vendeur, moi, je veux 20. On fait comment? Moi, maintenant, je m'en vais maintenant pour chercher. Parce qu'il y a des coins où les gens vendent les deuxièmes mains, hein? Même ici. Voilà, moins cher comme ça. Et il y a des nouveaux, tout ça. Donc, il t'envoie les prix. Il dit, ah, si c'est 10 iPhone 12, tu veux 10. Deuxième main, vous connaissez, deuxième main des blancs, c'est comme première main. Et tu peux être téléphone. Donc, c'est comme ça qu'on va travailler, chers camarades. Tu veux 10 ou 20 iPhone, il n'y a pas de problème. Ah oui, il n'y a pas de problème. Hein? Quand tu as commandé, là, quand ça vient, je me vais, je prends. Je prends les 10. Soit nouveau, soit deuxième main. Si j'ai eu ça, ah, mon gars, j'ai ça, hein, tu peux maintenant commander. C'est comme ça qu'on fait. Donc, dès que tu as les 10, dès que tu es prêt, moi j'ai les 10 iPhone, toi maintenant tu commandes sur le site, moi je mets tout dans un seul carton et puis tu balances. Voilà. Et là maintenant, je vais mettre maintenant, comment on appelle ça même? Il y a un truc là, au cas où c'est perdu, la compagnie va me rembourser. Voilà, ça ils seront obligés de payer ça. Quand c'est trop cher comme ça, là, ils seront obligés de payer ça. Voilà, je ne sais pas comment on appelle, garantie ou même quoi là. Je vais payer la somme là, à DHL. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, chers camarades. On est ensemble. Je vais mettre tout en ligne. Et puis, vous allez voir, chers camarades. Merci d'avoir suivi ce direct. Que Dieu vous bénisse. Et portez-vous bien. Même si dans les autres directs, vous ne voyez pas ce truc-là. OK, peut-être qu'il y a un ça dans le fond là-bas. Voilà. Voilà. Mais c'est ce que je voulais vous dire, chers camarades. Merci beaucoup. TikTok, merci. Il y a 10 000 likes. Merci beaucoup, chers camarades. Merci pour votre soutien. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Il y a mettre assurance. Voilà. Il y a mettre assurance. Voilà, quand c'est trop cher, même si c'est une seule tablette, les tablettes commencent à être un peu chères, donc ils mettent assurance. Comme ça, ça nous protège, toi et moi. Si c'est perdu, mais quelque chose s'est passé, eux, ils vont nous rembourser. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers camarades. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien, c'était vraiment le patriote. À très bientôt, chers camarades.